Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Téléfilm 78. Nous sommes en direct, comme tous les soirs, du lundi au jeudi, de 18h30 à 19h30. J'espère que vous prendrez l'habitude d'avoir ce réflexe à l'heure de l'apéritif, puisque dans cette émission, nous allons vous proposer plein de choses avec tout de suite, si vous voulez bien, le sommaire de ce numéro 2. Dans un instant, avec nous sur ce plateau, Estelle Jouvenot, membre de l'association des commerçants de la Grande Île à Voisins le Bretonneux. La chronique environnement, ce soir, nous parlerons de la forêt sauvage qui se trouve à l'espace Rambouillet. La question du jour qui nous permettra de savoir si vous avez suivi ou non les JO paralympiques de Pékin. Stéphane Binet, pianiste, viendra avant son concert de vendredi soir à l'espace de Coville à Voisins. À 19h, vous retrouverez le journal complet présenté par Catherine Julato. En deuxième partie du mag, Géraldine Bobet, elle est naturopathe, elle nous expliquera les bienfaits des produits de la ruche. Fatima Binet-Waka, artiste plasticienne, passera également nous parler de son... qui va donner les derniers renseignements, évidemment. Voilà, Yves Denis, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Donc bonne journée, demain, ça commence à 8h, c'est ça, la piscine ne mord pas? Ben oui. Ben alors, bon merci. Golf, bonjour aux enfants, et puis vous passerez nous parler d'autres opérations, je crois. Hein. J'espère, j'en ai plein. Merci de votre accueil. Merci. Stéphane Binet nous a rejoint, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane. Oui, Stéphane. Alors vous êtes pianiste, c'est vous ça. Habitez à Voisins le Bretonneux. Exactement. Vous êtes venu parce qu'on a souhaité vous recevoir ce soir, ça s'est fait un peu rapidement, mais c'est aussi l'objectif de cette émission, que vous passiez sur le plateau le plus souvent possible, tous ceux qui nous regardaient, qui avaient des choses à dire. Vous allez proposer avec votre trio un concert vendredi. Exactement, oui. À Voisins-le-Bretonneux. Voilà, donc avec mon trio composé de mes amis musiciens Philippe Bonnefond, donc à la contrebasse, et Nicolas Vranken à la batterie. Donc c'est un programme basé sur des arrangements de standards, donc des arrangements faits par les grands maîtres des années 50-60 avec Bill Evans, Jeff Hamilton, McCoy Tyner, et puis Keith Jarrett, et aussi des arrangements réalisés par moi-même. Et oui, parce que j'allais dire, vous êtes formé déjà depuis 2003, ce trio, voilà, vous jouez vos propres compositions aussi. Voilà, exactement. Donc là, ça sera l'occasion un peu d'écouter ma musique, et puis un peu celle de mon contrebassiste qui s'y est mis un petit peu cette année. Alors vous avez une formation classique à la base, vous êtes le premier prix piano jazz en 2006. Voilà. C'est bien exactement. Ça. Vous avez envie de jouer les grands du répertoire du jazz? Une envie profonde? Oui, c'est une envie profonde, et puis moi, j'allais dire c'est un peu un passage obligé, c'est-à-dire qu'on est dans le jazz, avant toute chose, il faut s'imprégner de ce qu'ont fait les grands maîtres, ce qui permet de développer après un langage personnel. Mais l'école des grands maîtres, comme ceux que j'ai cités auparavant, c'est vraiment l'école obligatoire pour progresser dans cette musique. Alors d'après vous, quelle est l'image du jazz aujourd'hui? Comment on attire, j'allais dire, même si le mot n'est pas beau, hein, le public, vers un concert de jazz? Ah, comment on attire les gens vers un concert de jazz? Ouais. Même si certains chanteurs comme Quentin, notamment, se servent du jazz aussi, voilà, pour amener des nouveautés. Bon, c'est vrai qu'on est toujours un peu réticent pour venir écouter du jazz. On a toujours l'image d'une musique un peu compliquée, un peu élitiste. Et pourtant, c'est de la musique populaire, c'est la musique classique américaine finalement. Et vraiment, moi pour vendredi, je promets un bon moment avec du blues, de la bonne musique énergique et vraiment accessible pour tout le monde et des airs connus. Donc c'est vendredi à 20h30, on se retrouve juste après pour se dire au revoir, mais avant vous n'êtes pas venu les mains vides. Exactement. On va regarder, peut-être on va surtout écouter un extrait de ce concert.
Stéphane Binet, Trio. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci vendredi, 20h30, à l'espace de Covid, il faut réserver. Pas spécialement, l'entrée est à 10 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, mais voilà, on a une belle salle à Voisin le Bretonneux, il faut venir. Voilà, merci. Voilà. À vendredi. Et merci. Puis pour nous, téléspectateurs et acteurs de cette émission, un petit peu de...